Alors, c'était enfin, partir à l'aventure, en fait. Enfin, déjà, c'est il y a plusieurs sujets qui me passionnent un peu partout dans le monde. Je me pose beaucoup de questions, et donc, du coup, je suis enfin, assez curieuse et je me renseigne sur tout ce qui se passe au niveau international. Et il y a des thématiques, si je prends par exemple tout ce qui se passe en Afrique ou au Moyen-Orient, j'ai envie de comprendre et approfondir vraiment ce qui se passe. Quand j'étais plus petite, je me disais que je parcourirais le monde, que j'irais à la rencontre de tous les peuples, que je donnerais justement la parole à ceux qui ne l'ont jamais. J'avais des projets en tête, je voulais faire de l'investigation sur trois sujets: la traite des enfants, le vaudou, la situation environnementale du Togo. En fait, j'avais un peu réfléchi déjà en amont, et en arrivant sur place, j'ai observé. Et j'ai vu que, enfin, il y avait des choses catastrophiques, il fallait absolument en parler. Enfin, parce que, enfin, par exemple, pour la gestion des déchets, au niveau du gouvernement, il n'y a rien qui se passe. Du coup, enfin, je savais pertinemment que ce n'était pas forcément mon reportage qui allait permettre de faire bouger les choses. Mais je me suis dit que déjà d'en parler, c'était important. J'aimerais, il y a tellement de questions, tellement de problèmes, peu de solutions, et je pense que les médias ont un rôle considérable. C'est déjà de parler, de pas hésiter d'aller dans les pays, de voir ce qui se passe sur place, de retranscrire l'information, de montrer aux gens la vérité. Et je pense que c'est déjà peut-être une première solution.